in my dream. Hé, hey, psst, psst, regarde dans le coin. C'est l'ascenseur. Dis-moi, c'est quoi ton casque? Il est trop beau. Réponds-moi. Hey, Ride My Dream, non, ça va? Non, faut que j'aille pisser, on en parlera après. Vite, vite, les toilettes à droite. Oh mon Dieu, il y a Ride My Dream chez moi. Allons voir son intimité. Hey, Ride My Dream. Ride My Dream. J'ai une question à te poser. Quoi? Tu les as achetés où, tes rétro? Putain, mais je t'emmerde. Oh là là. Oh. Oh. Mince, j'ai oublié de poser une question à Kéké. Ride My Dream! Ride My Dream! Viens voir, c'est urgent! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose d'urgent à te demander. Quoi? Je me rappelle plus c'est quoi la marque de ton casque. Putain, mais ce mec, j'y crois pas. C'est bon. C'est quoi tes rétro RMD? Ok, je vais les voler. Hé, hey, Ride My Dream, tu peux venir? Il est prêt le pique-nique ? Oui, il est prêt le pique-nique. Ça va. Oui, alors, tu voulais parler de quelque chose ? Bah, en ce moment, j'ai tous les jours les mêmes questions et à force, ça devient un petit peu lourd. Du coup, je me suis dit que pour fêter les 2 millions de vues sur ma chaîne ainsi que les 40 000 abonnés, je vais faire une deuxième FAQ. Non, une troisième FAQ même. J'en ai déjà fait deux, mais les gens, ils les ont pas regardés. Pour tes 40 000 abonnés ? Ouais. D'accord. C'est pas mal, 40 000. Bonne idée. J'espère que ça va leur plaire. Ouais, grave. Et qu'ils vont pas te poser la question, quand est-ce que tu vas faire une FAQ? Ouais, voilà. Avec cette annonce. Et au moins, genre, ça me permettra de répondre aux questions qu'on me pose tout le temps. Genre, c'est quoi tes rétro? C'est quoi ton casque? Ta moto, elle est bien et tout. Donc déjà, ça sera répondu de sûr. Après, je me suis dit, parce que quand tu fais des FAQ, souvent, il y en a, ils posent des questions un petit peu cons, quoi. Donc pour les motiver à poser des bonnes questions, je me suis dit... Chaque question sélectionnée, je leur ferai gagner un petit sticker sur Ride My Dream. Des bonnes questions intelligentes. Hein. Regarde les stickers, ils sont beaux. Hein. Wow, il y en a plein. Il y en a des blancs, il y en a des bleus. Non, pas ceux, ils sont là, les bleus. Et il y en a même des noirs. Tu vois. Et donc, je me suis dit, chaque question que tu sélectionneras, parce que les questions, je ne les dirai pas avant, ce sera la surprise. C'est Joe qui va toutes les sélectionner. Et on fera du coup la FAQ ensemble, c'est lui qui me posera les questions qu'il a sélectionnées, donc moi ce sera vraiment sur le tas parce que je ne saurais pas ce que c'est les questions. Du coup si je vous aide pas, je sélectionne pas votre question. Voilà. Donc vous aurez tous les questions sélectionnées, bien évidemment, un sticker. Et en même temps, on a fait ça, une petite photo avec le sticker, donc vous enverrez ça par la poste, donc il y en a plein. Et qu'on a signé avec Joe, pas pour faire les stars, c'est juste pour vous faire plaisir. On a mis une petite signature dessus. Donc ça, c'est juste pour vous motiver à poser des questions intéressantes. Des questions qui peuvent servir, on va dire. Voilà. Voilà. Et si vous posez la question pourquoi Joe il a ce casque, c'est mon ancien casque, j'avais pas l'autre sur moi. Voilà. Et aussi, pour les photos, j'ai volé l'idée à Kika, je l'avoue, parce qu'un jour il m'a envoyé des stickers, il y avait une petite photo avec une pour elle, il m'a fait plaisir, je me suis dit, écoute, je vais faire pareil, ça coûte rien de faire des photos, du coup, vous avez le stickers et les photos. Il m'a avoué que, Kika, il en avait une grosse, je vais faire pareil que lui. Sur ce, on se dit à bientôt. Posez des questions pas trop connes en commentaire ici, je sais pas, c'est la première fois que je fais ça ici en bas là, je sais pas, c'est peut-être vers ici, je sais pas. En tout cas, allez-y, posez vos questions et j'y répondrai, enfin je répondrai à celles que Joe sélectionnera, espérons qu'il en sélectionne des pas mal. Et voilà, après une fois que vous, quand vous verrez la vidéo et si vous voyez votre question, vous venez en message privé sur Facebook et vous enverrez votre sticker sur votre photo. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, on vous laisse et on vous dit à bientôt à la e-casque date, le 7 juillet, au circuit du Luc.
Ah ouais, parce qu'on y sera tous, c'est vrai, on va le préciser, on en profite, on y va. Eh oui, bah oui. Donc la e-casque date, c'est-à-dire au circuit du Ligue dans le Var, on va tous se rencontrer ce jour-là. Donc il y aura Bitume, il y aura Kika, il y aura Corti Julien, il y aura Wallan, il y aura Joladouille. Le meilleur. SM Rider, il y aura Kev. Et je crois qu'il y a un beau gosse aussi. Ah bah il y a Ryan My Dream aussi, je crois. Et du coup, voilà, c'est une journée circuit, donc vous pouvez, même si vous avez le permis gros tube et une moto assez puissante, vous inscrire pour vous rouler. Putain, j'ai plein de buées sur le casque. Ouais, moi aussi. Ouais. Vous pouvez vous inscrire pour vous rouler avec nous sur la piste, ou si vous n'avez pas, vous êtes par exemple en 50, vous pouvez tout simplement venir, l'entrée est gratuite pour nous rencontrer. Donc tous les liens de les casse-dates sont dans la description. Et voilà, ce sera le moyen de nous rencontrer et peut-être de rouler avec nous. C'est gratuit à tous. Sauf pour les gens qui ont des motos bidons. Voilà. Genre les Joladouille. Tu veux que je te frappe? Bah je sais pas, tu l'aides pas avec ta moto. Attends, enculé. Voilà la jalousie en personne. Donc je rappelle, c'est gratuit pour tout le monde, entrée libre à tout le monde. Seulement quelques chanceux sont sélectionnés pour rouler sur circuit avec nous. Donc allez voir les conditions sur le site G-Casque et peut-être vous serez sélectionné. Voilà, en tout cas, on vous dit à bientôt. Et à bientôt. À la prochaine. C'est bon, tu crois? Je pense que c'est espèce bon. D'enculé d'abonné. Le mec. Wow, j'ai une carte de gueule.